بالنسبه للتوقيت الصيفي اللي كنت زدت فيه هذه الساعه، هو ما كان حتى شي اشكال، غير الاشكال اللي كان هو في الوقيته ديال البرد. بالنسبه للدراري الصغار كانوا تيخرجوا في بالليل، وكاين شويه المشاكل بالنسبه تنفقوا مع الصغار. بالنسبه لي انا عندي واحد البنيته كانت تخرج في الليل، انا تخرج قبل مني للخدمه، وكان هذا اشكال تعانينا منه. اما بالنسبه لدابا التوقيت في باش كيكون الصيف، واخا جات ساعه ولا ساعتين ما كاينش مشكل، ولكن الاشكاليه هو كاين في الوقيته ديال البرد. عليكم هاد الناس اخويا كيتكرفصوا علينا هاد المره، كل مره زيد ساعه نقص ساعه، زيد ساعه نقص ساعه. علاش ما يفيكسيوناش بحالنا بحال عباد الله؟ توقيت قديمه هو حنا ما عندنا حتى شي ربح في هاد الشيء هذا، كل مره زيد ساعه نقص ساعه، حشومه كاع عيب. جو ترافاي توت لا جورني او ماغازان. Je suis là depuis 7h du matin jusqu'à 11h, jusqu'à 19h30, 10h du soir. Donc s'ils ajoutent ou ils reculent d'une heure, moi ça me finit chaud ni froid. Voilà, je dors 7h la nuit, ça va, peinard, voilà. Ça va, j'ai la mienne. Hein? Je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire. Ça va, j'ai la mienne. Je vais me dire que je vais me dire. بالنسبه للخدمه ديالك شنو التاثير؟ بالنسبه للخدمه ديالك غارديان، التاثير ديال الساعه الجديده على الخدمه ديالك. اخي نخدم غارديان دابا ملي كيجي فكري كتمشي فكري في حالات كتنعس، عاوتاني كتفيق فكري ماشي مشكل. الساعه الجديده مزيانه لينا في التوقيت الصيفي، وتوقيت الشتاء ما مزياناش. التوقيت الصيفي مزيان حيت لانك تخرج بكري كتمشي كتلقى شحال من الحوايج، ولكن في وقت الصيف في الشتاء تتكون الظلمه وتتكون يعني تيكون عندنا التوقيت هما اصلا كينقصوا لينا الوقت، يعني الا زادوا ساعه تنبقاو مزايدين هنا هذيك. Ah, moi je ça ne me dérange pas de changer d'heure. Nous enfin moi je viens de France et en France il y a les changements d'heure deux fois par an. Donc voilà, j'ai l'habitude, donc moi ça ne me dérange pas. Parce que ils ont changé l'heure, on a quelqu'un là. Du coup, j'avais un horaire plutôt flexible. Et après, quand j'ai commencé à travailler, je m'étais déjà adaptée. Elle n'a pas changé grand-chose. Que ce soit... pas vraiment, non. La qualité du sommeil est déjà fracassée. Mais franchement, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Et les autorités, ils n'ont pas pris en compte vraiment la vie des gens. Du coup, je trouve ça grave. Parce que quand même, il y a eu une pétition, j'imagine, c'est ça. Et les gens, ils ont dit non. Et pourtant, ils l'ont gardé. Donc je pense qu'il faut prendre quand même en compte ce que les gens ils veulent. C'est mieux, je pense, les gens qui ont des petits-enfants, etc., par rapport à l'école. Je pense que c'est plus compliqué, mais pour nous, je suis toute seule, cool, donc il n'y a pas de souci. Alors, par rapport à l'heure d'été, c'est très bien pendant l'été. Donc, ça nous fait gagner une heure le matin. Et puis, pour les commerces, je parle principalement par rapport au commerce, c'est très très bien. En ce qui concerne la prière, ben, on se doit d'attendre une heure supplémentaire. Quand on passe en hiver, et puis ben, l'heure d'été, elle est toujours d'actualité. Mais on perd en qualité de sommeil. Pour moi, il n'y a pas de différence particulière, c'est juste une question d'organisation. Par exemple, si on a un programme en question par rapport à la journée qui va suivre, il faudrait être informé, je vais dire, la semaine précédente pour pouvoir au moins se préparer à ce qui va venir, c'est-à-dire au changement d'heure et tout, changement de programme. Mais c'est vrai que ça peut être difficile au niveau du réveil. Très souvent, c'est assez délicat. Pour une personne qui est assez active, il faudrait que soit elle ait assez de temps pour se reposer. Et si c'est, par exemple, un retour au GMT 0, c'est assez difficile. Sinon, à part ça, ça va, c'est pas délicat.